Salut à tous les démons, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, c'est Lego, Lego, Lego DC super vilain. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus? Déjà, ça sera une seule et unique vidéo de découverte parce que je ne ressens pas trop l'intérêt de vous plus vous présenter. Je pense que vous connaissez la licence Lego. Vous savez ce que ça représente. Et surtout, c'est que j'ai dû jouer à tous les jeux Lego parce que j'ai des enfants. Et que lorsque on aime jouer aux jeux vidéo et que on a des enfants et que on veut plus ou moins leur montrer un petit peu l'univers des jeux vidéo, puisqu'ils veulent aussi hein, avoir plaisir dans cet univers, eh ben on est face à certains. En grand tant qu'à faire. Ok, bon. Et donc avec Nicologique, ça a commencé avec les jeux tels que comment ça s'appelle déjà? Machin avec un socle, un des premiers où il y avait des socles où il fallait acheter. Donc t'achètes le jeu dans une boîte avec trois personnages, si mes souvenirs sont bons, ou deux personnages. Et t'as le socle à la con Skylander. Voilà, c'était Skylander. Donc première arnaque hein, dans l'histoire. Hein, vous savez très bien comment ça fonctionne ces trucs-là. C'est uniquement fait pour. Alors, je vais lancer une partie quand même. Hein. On va faire vilain novice, on s'en fout. J'ai même pas regardé le texte, alors je suis désolé. Oui, nouvelle sauvegarde, allez, sauvegarde-moi ça, je l'effacerai après. C'est pas un problème. Bref, donc c'est vraiment plus réservé pour les enfants. Je vous parlais de Skylander, il y a eu Skylander 2 après, alors à chaque fois il faut racheter des socs, il faut ci, il faut ça. C'est une horreur parce que vous vous rendez compte que vous achetez un jeu à 60 balles, mais après, avec tous les coûts des personnages que vous achetez, plus les jetons, je sais pas quoi, que vous achetez en plus les trucs de rangement pour ranger les jetons, ça coûte une blinde. Répondez, commissaire Gordon. On nous signale un cambriolage chez Wentec. On rapporte des C'est rires et une. un gaz vert. Ça me fait penser à quelqu'un. Bon, Je suis vous déjà en route avez pour l'île de les Stryker avec sous-titres. notre suspect spécial. Appelez l'inspecteur Bullock, il s'occupera du cambriolage. Les voix À vos sont bien ordres, foutues, chef. par contre. À vous, Métropolis. L'univers des Lego a toujours été bien C'est foutu. toujours beau à Faut Métropolis. dire ce qui est, il y a de l'humour et tout ça, c'est Franchement, super il y a bien vraiment foutu. pas de justice. Mais ça Mais reste cette ville-là enfantin. aussi sont l'autre Donc, problème. il y a eu Skylander, après c'était quoi? C'était Disney Infinity. Alors toujours le même bordel, donc en fait tu te rends compte que tu Commissaire achètes Gordon, une blinde, officier, un petit peu j'avais tout, rendez-vous. Est-ce que et tout est prêt? finalement, Ouais, pardon. Affirmatif. tu rends Merci, ça une officier. Bon misère parce appétit. que voilà, À il votre avait. service. Un beignet. Et très sincèrement, voilà, c'est pas le plus ouf. Normalement, le département ne fait pas appel à des énergumènes tels que vous, disons. Mais vous êtes le seul expert que l'on connaisse en la matière. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. On s'en fout. Je dois avouer que je suis un peu dépassé sur ce coup. Aléatoire. Ouais, tiens, c'est parfait, aléatoire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Continuer histoire. On va l'appeler Dark. Allez, hop. Vite fait. Hop, hop, hop. Dark. Allez, continue histoire. Là aussi, oui. Allez, dépêche-toi. Oh! Puis on voit déjà la quantité de personnages qu'il va falloir. Donc effectivement, il y avait donc ce côté. Le suspect a été appréhendé lors du cambriolage dans la boue. Ce laboratoire appartient à l'un de vos anciens collègues, Monsieur Luthor, le professeur Ivo. Le professeur Ivo?
Je ne vois toujours pas en quoi ce cambriolage me concerne. Notre bon professeur et vous collaboriez sur le projet Amazo. L'androïde capable de s'approprier tous les pouvoirs des super-héros. Si notre suspect est doté des mêmes capacités, il pourrait bien devenir une terrible menace. Bip 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 dans les oreilles. Si vous coopérez, je crois que mes écouteurs vont lâcher. Si réel, nous pourrions envisager de réduire votre peine de 10 ou 15 ans. Très bien. Pour revenir... Voyez-vous, je n'ai que faire des super losers qui sèment la pagaille dans le monde. Où est-ce que tu as acheté ce costume? Il n'est pas très loquace. Commissaire, quelqu'un m'a volé mes beignets et mon uniforme et... Tiens, les voilà! Quoi? Beignets! Juste quand même voir. Bonjour, merci. J'ai bien failli attendre. Fichons le camp d'ici. Oh. C'est le moment de s'éclipser. Suis-nous, le nouveau. Tu es avec l'ex-Luthor à présent, le plus grand criminel qui soit. Vous êtes sûr de votre coup? Dans le pire des cas, le nouveau fera une excellente diversion. Bon, bref, donc je vous disais, donc Skylander, après Disney Infinity, après il y a eu Lego Dimension. Paris, très cher. À chaque bientôt fois. Sorti de ce triste lieu. Vous semblez oublier les lasers qui nous barrent la route. Relax, Mercy. Les commandes se trouvent à l'étage supérieur. Il nous suffit de trouver un moyen d'y accéder. Donc voilà, donc ça reste tout dans... dans cette option-là. L'avantage, c'est que vous pouvez jouer à deux avec... avec vos enfants, ça pose aucun problème. Non, c'est devenu un petit peu quand même, c'est pas ouf. Mais. On casse tout. Je vous rappelle, il y a des bonus, hein, il y a toujours des. Bon, alors, je disais, donc il y a eu ensuite Lego Dimension en dernier. Et, je crois qu'on a de la compagnie. Je déteste qu'on m'interrompe. Rappelons-leur à qui ils ont affaire. Oui, pour changement. Ça ne devrait poser aucune défi. Je vais régler ça en un rien de temps. L3. Ok. Donc, ce que je disais... c'est que donc une fois que vous avez joué à tout ça, alors bien évidemment j'ai droit à tout ce qui était
tout ce qui était Harry Potter, Star Wars. Alors, remercie en moi, je vais... Ce dispositif requiert clairement des capacités supérieures. Voilà. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, ici, bien évidemment. Ça ne présente aucune difficulté pour un génie de ma trempe. Donc voilà, donc en fait, à force d'avoir joué, puis en plus le Lego Dimension, c'était vraiment horrible, faut le dire. Non, mais attendez, parce qu'il y avait une histoire de, je sais pas quoi, des séquences. À tourner la caméra, c'est pas ce bordel. Ouais, le but c'est ça, c'est vous casser tout pour récupérer des pièces, parce que les pièces vont vous permettre. D'avoir des bonus à la fin et d'acheter des nouveaux persos et ainsi de suite et ainsi de suite. Bref, alors même si effectivement... Je vais régler ça en un rien de temps. Pas dû faire ça. Bref, donc comprenez que c'est plus un jeu qui sera lié pour jouer avec mes enfants. Donc ils ont l'âge de jouer chacun de leur côté. Mais là on sourdine, Grundy. Tu fais un boucan à réveiller les morts. Donc,
Alors, je vous montre un petit peu le jeu, pourquoi pas. Ah, mes anciens partenaires de crime. Content de vous porter parmi nous, Chita. Prenez. J'espère que t'as un plan solide pour nous faire sortir d'ici, Luthor. C'est qui, ça? Un ami pour Grundy. Excusez-moi, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de filer? Exact, ma chère. Nous devons activer l'ascenseur pour atteindre notre destination. Elle trop quand vous voyez Johnny décès. Bah, je veux bien, mais il est où? Donc voilà, donc si vous connaissez pas trop le principe de Donc n'importe quel moment où vous appuyez, hein. Là, je ne fais que appuyer sur carré à répétition et avancer. Donc, comme je vous ai dit très sincèrement, pour moi, il doit y avoir un truc ici, je ne sais pas quoi, voilà. Donc voilà, vous avez des petites énigmes comme ça.
Ça a marché. Allons-y. Est-ce qu'on s'enfonce dans la prison? Je croyais que l'idée de l'évasion, c'était d'en sortir. Ouais. Même Grundy, c'est ça. Patience. Vous comprendrez bientôt. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'humour. Vous avez vu plus ou moins l'action des personnages. C'est plus ou moins marrant. Nous y sommes. Et on est où? Devant vous, dans cette cellule d'isolement, se trouve notre cellule. Les a absorbés. Comment est-ce possible? Acquisition de super-pouvoirs. Comme le projet Amazon du professeur Ivo. Voyons si l'on peut faire bon usage de ces nouvelles capacités. Je n'ai pas capté qu'il fallait que je joue. La sécurité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Luthor? J'aime pas agir sans savoir comme ça. Arrête de te plaindre, Cheetah. Tu verras quand ce sera ouvert. Voilà, on va s'arrêter après avoir libéré le nouveau Superman, je ne sais pas. Là. Voilà, ça c'est fait. Plus qu'un à faire sauter. Grundy veut savoir ce qui est dedans.
Ouais, c'est plus dur, hein. Pas des chansons à chanter autour d'un feu de camp Boy Scout. Et toi, t'as pas de la vaisselle à faire dans les cuisines de Stryker, tête d'œuf? Je coupe les légumes maintenant. Félicitations. Allez, retourne dans ta cellule. Non, pas cette fois, Superman. Je crois que tu connais déjà... Mécalo, oh, il est trop instable pour sortir de sa cellule. Instable pour toi, peut-être. Son cœur de kryptonite ne me gêne pas le moins du monde. Allez, quittons ce rocher. Donc voilà. Non, tu n'iras nulle part. Ah non, et qui va m'arrêter? Toi? Non, mais nous, oui. Oh, hein? Ouya! Pas si vite, les vilains. Le verre, c'est moi. Où est Batman? Il a dit qu'il avait un truc urgent à faire. Ici Harley Quinn, je suis en direct live d'un nouveau portrait d'anthologie. Et voici la vedette du jour, Monsieur J. Ah, et où il est? On vient tout juste de voler des trucs tip-top en provenance directe de Winnipeg. Monsieur J. Hop. Voilà. Bref, si vous voulez voir la suite, je vous invite à jouer au jeu. Si vous êtes assez jeune et kiffez ce genre de jeu, alors vous voyez, vous avez des objectifs, vous récupérez les pièces et vous aurez un bonus et vous aurez tous les jeux et compagnie. Enfin, les personnages qui vous permettront par la suite en mode libre de découvrir d'autres objets, les autres objets qui vous permettront d'acheter d'autres personnages, qui vous permettront de débloquer encore d'autres objets, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout l'histoire des jeux Lego. Il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut. C'est sympathique pour les enfants, pour les adultes un petit peu moins. Et on va s'arrêter là, parce que très sincèrement, je ne me vois pas faire 10 épisodes sur là-dessus, alors que je connais par cœur les jeux... Les jeux Lego pour en avoir joué un certain nombre avec les gamins. Je pense que ce jeu là va plaire énormément à mes enfants, donc merci Sony pour ça. Moi en tant qu'adulte et joueur un petit peu plus expérimenté, on va dire, voilà, sans plus. Allez, sur ce, je vous laisse là. Désolé si j'ai pas pu faire une belle présentation, machin et tout ça. Ça reste un jeu Lego, quoi. Honnêtement, c'est vraiment pas ma cam en style de jeu vidéo. Enfin, vous savez qu'il y a très peu de jeux qui sont très vraiment ma cam, mais bon. Sur ce, on se laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, d'ailleurs. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être au courant de tous les jeux vidéo, de toutes les vidéos qui sortiront, car effectivement. À partir du mois de janvier, il n'y aura plus de planning de jeux vidéo. Ça sortira comme ça sortira. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives.
Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.